Rodez 19e accueille Niort 9e. Les Ruthénois restent sur 3 nuls après 2 défaites. Une légère amélioration qui ne permet pas de sortir de la zone rouge. Des Ruthénois qui restent même sur 12 matchs sans victoire. Il serait temps d'en gagner un. Pourquoi pas contre une équipe de Niort qui réussit des résultats très particuliers. Un nul sur les 11 derniers matchs. C'est presque tout ou rien avec les Chamois. 4 victoires et 6 défaites dans cette série. Rodez essaye d'aller de l'avant d'entrée de jeu. Ce serait important de prendre les devants dans ce match, de mener au score. Pourquoi pas sur cette première attaque. Avec une balle sauvée par le gardien. Une balle captée par Mathieu Michel. Le gardien de Niort n'est pas assez sollicité sur ce ballon. Mais les premières minutes sont intéressantes. D'autant plus que Rodez obtient un pénalty après 13 minutes seulement. La faute sur Sanaya. Et le pénalty manqué par Ayoub Wafsa. Quelle chance de mener 1-0 gâché par Wafsa au quart d'heure de jeu. Wafsa manque la cible et le tire au-dessus. Quel dommage pour Rodez. La réaction de Niort est inexistante en première période. Les meilleures chances ont été pour Rodez. 0-0 tout de même à la mi-temps. Rodez a tout de même pris le match par le bon bout et doit confirmer en seconde période. Mais dès le retour du vestiaire, les Chamois offrent un visage beaucoup plus intéressant. Avec ce ballon dans la surface de réparation ruthénoise. Le centre avec un ballon dévié et le but de Dylan Louissère. Troisième but de la saison pour Louissère. C'est la première action de la seconde période. Jolie talonnade au départ de l'action de Bilal Boutoba. Et le but du 1-0 pour Niort. Rodez s'est fait surprendre, essaye de revenir avec ce tir dévissé de David Doulin, mais ce n'est pas cadré. Ce n'est pas encore suffisant pour Rodez, mais les joueurs locaux insistent. Nouvelle balle dans la surface, avec ce tir contré par une main. Nouveau pénalty en faveur de Rodez. Carton rouge pour le fautif d'Arlin Yongwa. Il a pris un premier jaune à la 74e, voici le deuxième à la 86e. Et le pénalty est réussi par Florian David. Premier but de la saison pour David. Égalisation à un partout pour Rodez. Il était temps dans les dernières minutes de la rencontre. La main a coûté cher. Niort doit terminer le match à 10. Et Rodez insiste pour renverser le score et gagner le match. Mais c'est un peu trop tard. Un but partout entre Rodez et Niort. Rodez passe tout de même de la 19e à la 18e place grâce à ce point du nul.